Des croûtons maison, super facile à faire. Dans un premier temps, on va faire toutes nos découpes en commençant par notre pain. Ici, j'ai pris un pain rassis, mais vous pouvez prendre du frais sans problème. Ça sera même meilleur. On va le couper en morceaux de la taille que vous voulez, puis hacher deux gousses d'ail en pensant à enlever le germe et un peu de persil frais. Ensuite, on fait chauffer une poêle avec de l'huile, peu importe laquelle, vous pouvez prendre celle que vous aimez. J'ai mis un morceau de pain pour voir si l'huile est chaude. Dès que ça commence à frétiller, on peut mettre tous les morceaux. On laisse dorer tranquillement en ruminant de temps en temps, et une fois que le pain est doré, on va pouvoir assaisonner avec notre ail, du thym, du sel, du poivre et le persil. Une fois que l'ail est cuit, c'est-à-dire après quelques secondes, il n'y a plus qu'à retirer du feu et les utiliser pour accompagner une soupe, une salade ou même en apéro. Si la recette vous a plu ou si vous la refaites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour me soutenir. Régalez-vous bien et bon appétit !